Voilà. Ouais. Regardez l'étoile comme elle est belle. Allô les petits copains. Coucou les petits copains. Allô Athéna, coucou Calice, comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Alors aujourd'hui, youpi, c'est le moment où on va décorer notre sapin de Noël 2017. Alors, vous l'avez vu dans la vidéo d'avant, on a 30 sapins chez nous. On a le choix, on a l'embarras de choix pour savoir lequel on va décorer. Voilà, tout ça. Allez voir la vidéo d'avant parce que c'était très très amusant. On a campé ici dans cette forêt. Et là aussi, il y a du sapin. Alors, quel sapin voulez-vous décorer, les filles? Celui-ci. Ici, on a de la déco. Et ben moi, j'ai envie de dire que je ne vais rien faire cette fois. Je vais tout vous laisser faire parce que c'est... Eh, vous avez l'habitude, hein, depuis le temps que vous décorez des sapins, ça fait au moins 3 années de suite. Plus chez les grands-parents aussi. Voilà, on le fera encore cette année chez les grands-parents, mais on fera peut-être pas de vidéo pour la déco. Mais cette fois, on l'a fait ici, la déco. Attention, c'est la première fois qu'on fait une déco de sapin de Noël ici, dans cette nouvelle maison. Et pendant que vous commencez à décorer, ben moi, je vais faire une petite visite parce que peut-être que certains n'ont pas encore vu cette forêt de sapins. Mais allez voir vraiment la vidéo d'avant parce qu'il y a une petite histoire. Voilà, il y a un cycle de jour, de nuit. On a fait du jeu, on a fait du cerf-volant ici. On a fait du cerf-volant à l'intérieur. Et oui, on a fait plein de trucs de dingue. Alors, regardez, ici, nous avons des sapins. Oh, là aussi, donc le petit chemin est par ici. Voilà, donc là, on arrive vers l'entrée. Ok. Voilà, et on repart dans le petit chemin. Poum, 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 poum. Voilà, ici, nous avons un petit cul-de-sac. Et là, nous avons dans la clairière. Et ça y est, ça commence à venir. Après, je pourrais t'aider pour mettre tout en haut, si tu veux. Parce qu'on a un escabeau quand même, pour mettre l'étoile tout là-haut notamment. Et Athéna est en train de faire le tri au niveau de toutes les décorations. On a ce qu'il faut. Je vais vous chercher aussi des petites décorations tout à l'heure que j'ai achetées sur le bateau Disney, lors de notre croisière sur le Dream. Et là, on continue notre petite balade par ici. Tac. Ah ah, la lumière. Alors... Oh, comme il est beau ce sapin! Il ne scintille pas encore de le feu. Ensuite, je continue la petite balade. Voilà, regardez, ça continue par là, notre forêt. Hein. C'est trop bien. Waouh! Alors, d'autre côté, ça continue. Allez voir la vidéo d'avant, mais comme il y a une petite surprise, voilà, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Eh bien, on va pas vous dire ce que c'est, mais c'est aussi un truc très sympa. Regardez, ah, ça y est, ça commence petit à petit à prendre forme avec les petits rênes qu'on suspend. Alors normalement pour faire un sapin, Calice, en fait on commence toujours, enfin toujours, c'est plus facile, par les guirlandes. Parce qu'après on peut finir par les... J'ai fait les guirlandes. Regarde, les petites guirlandes, il reste encore des petites guirlandes comme ceci. Et bien sûr la petite guirlande électrique. Alors là, vous allez me dire, oui, mais alors, si le sapin est au milieu, il n'y a pas de prise de courant, comment qu'on va faire? Eh bien, c'est une très bonne question, Calice. Alors, on peut toujours, on va essayer d'utiliser, parce que je n'y ai pas pensé avant, en fait. Je viens d'y penser maintenant. On va essayer d'utiliser la prise électrique qu'il y a au plafond. Eh oui. Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert de mettre une prise électrique dans un plafond? Bah, ça sert. À votre avis, comment on fait pour passer l'aspirateur au plafond? Eh bien, hop, on se met les pieds au plafond, on branche l'aspirateur en haut et après on passe l'aspirateur les pieds au plafond. Tout simplement, c'est pour passer l'aspirateur. Tout simplement. Voilà, qu'est-ce qu'on dit comme bêtise. Souvenez-vous de ce petit sapin, c'était l'année dernière quand on avait fait la petite vidéo. La petite vidéo? La vidéo. La vidéo avec la petite chaîne du monde de Titouni avec les Toonies. Eh bien, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les petits effets que j'avais achetés sur le bateau, le dernier jour, sur le Disney Dream. Eh bien, il y a déjà 3 petites boules sur le sapin d'Athéna. Alors, l'étoile, elle est trop grande pour ton petit sapin, Athéna. Non, la grande étoile, c'est pour le sapin du milieu. Alors là, j'ai été chercher les petits effets que j'avais pris sur le Disney Dream lors de notre croisière Disney Cruise Line. Première chose,
Regardez, c'est le logo Disney Cruise Line. Oh, je kiffe. Il est brillant. Et la deuxième et dernière chose. Regardons. Attention. Et c'est quoi votre avis? Mais regardez là-haut dans le ciel. Mais c'est un oiseau. Mais non, c'est une fusée. Non, c'est un avion. Un sandwich de salade. C'est pas un avion, non. C'est qu'est-ce qui vole encore? Un hélicoptère. Un bateau. Un bateau, bien sûr, un bateau volant. Et voici le... Le bateau Disney. Il est trop et c'est la... Voilà, c'est... La version boule de neige, version boule de sapin de Noël, mais du Dream, regardez. Je montre au petit copain, regardez. Oh, je kiffe. Là, il y a écrit Dream. Là, on peut voir le toboggan qui fait le tour du bateau, on l'a vu en vidéo. Il y a tous les détails, hein. C'est trop grosso modo, en tout cas. Je le veux. Là, il y a même le petit Mickey avec la piscine Mickey. Tu te souviens, là? Ouais, grave. Je le veux. C'est pour mettre dans le sapin. Alors. Mais ça a l'air. C'est parti pour mettre. Oh, waouh. Et ben voilà. Il est pas beau ici? C'est... Et toi, où tu vas le mettre? Pas où le mettre, le mien. À côté d'une guirlande dorée, tiens. Comme tu veux. Là. Ici. Hop là. Hop. Allez. Ah, on dirait qu'il a fait du bateau. Oh, il s'est cassé. C'est vrai? Oh, oui. C'est pas grave. Mais non. Voyez comme quoi un bateau ça peut couler. Alors on va le mettre. Voilà. Regardez. Le Dream est sur une guirlande. Magnifique. Ça rappelle des souvenirs. Guirlande de l'océan. Ça je vais le faire. Salut Staka. Et je vais le faire maintenant. On se retrouve une fois que cette guirlande lumineuse est installée. C'est parti. Ah bah ça te fait rire. Bravo Athéna. Boum. Ah, elle est trop mimi aussi. Voilà. Ouais, elle a réussi. Regardez l'étoile comme elle est belle. Premières ampoules sont une pile poil à la hauteur du sapin. Ça c'est top. Voilà. On peut faire le tour. Ou pas. Allez. Je saute. Attends, attends. Je veux voir la chute. Ouais. Bravo. T'as vu? Non, non plus j'ai pas peur. Je suis un vrai casse-cou. Hein. Il est beau notre sapin comme ça. Si on continue, il va être un peu trop chargé. Il est pas mal comme il ça. Est pas mal, il est pas mal. En plus, l'escabeau, c'est magnifique. L'escabeau bleu, blanc, comme ça. Super. Avec des coups de peinture. Il faudrait qu'on décore l'escabeau aussi. Ouais. Waouh. Et voilà, les filles. Et c'est pas beau? Si. C'est pas beau, je prends la caméra. On va vous faire visiter. Mais quel est ce Père Noël en premier plan? Eh bien, c'est un Père Noël tranquillou, voilà. Qui attend le 25 décembre. Pour aller livrer ses cadeaux. Voilà, il est avec son échelle, il se repose dans le sapin. Et là, nous avons. Il se repose dans le sapin. C'est mignon, ce grand sapin. Roi des forêts. Roi de la forêt, ici en tout cas. Avec cette belle guirlande, on va allumer pour montrer tout ce qu'il y a dans ce magnifique sapin. Merci Camille. Alors attention, 3, 2, 1. Et voilà. Allez, on commence par ici. Regardez, il y a écrit. Joyeux Spack. Non, Noël, pardon. Au-dessus, nous avons une pomme de pin. Là, nous avons réponse. Ici, nous avons le bateau Dream Disney. Magnifique. Au-dessus, nous avons une boule Hello Kitty. Là, nous avons une boule Lego qu'on avait eue à Legoland. Oh, ça nous rappelle des souvenirs, ce sapin, en fait. C'est un album souvenir, ce sapin. Là, nous avons Kiki, de tous les Kiki qu'on avait eu dans... À la Croctabox. La Croctabox? Okay. Non, une Retrobox. Une Retrobox, c'est ce que je pensais. Et oui, et là nous avons encore un autre Hello Kitty. Là nous avons des petits rennes. Un petit renne ici, un petit renne. Un petit Père Noël là. Ah là, il y a un grand Père Noël. Ben, ça, c'est son copain lui aussi, il se repose, il attend 24 ans. Ça fait ring ring. C'est la mode ici, les Père Noël se,
se repose dans les sapins. Ici, nous avons un petit nounours bleu, je ne l'avais pas vu celui-ci. Et il y en avait un autre normand doré, tu l'as vu? Non, il est sapin. Ah, peut-être qu'il est dans le sapin de... Non, on va aller voir. Et là, nous avons notre réponse, je l'ai vu. Oui, il a bien sûr le logo de Disney Cruise Line, magnifique. Le renne blanc, je ne sais plus où il est, le renne blanc. Il est là. Ah oui, il est là, le petit renne blanc. Bonjour, petit renne blanc. Oh, magnifique petit renne blanc. Et maintenant, est-ce que tu veux nous montrer ton sapin de Noël, Athéna? Oh, j'ai trop fait. Allez, fais plaisir. Il est kawaii. Elle l'a fait toute seule, toute seule, toute seule. Oui. D'ailleurs, ça se voit parce qu'il n'y a pas de petites étoiles pour le haut de ton sapin. Donc, tu as mis deux nounours. Et voilà les nounours pas dorés, mais roses, avec un nounours bleu, avec un beau sapin ici. Et puis, quelques boules de Noël. Et bien sûr, une boule Hello Kitty. Hello, il est très Kitty. Joli, ton petit sapin. Grand pouce bleu pour Athéna. Allez, mets-toi un petit pouce bleu en commentaire, mets-toi un petit pouce bleu à la vidéo pour féliciter Athéna ainsi que Calice qui a également fait ce grand sapin. Avec l'aide de papilles. On va le revoir ce sapin parce qu'on va encore faire des vidéos hein, en direction, en destination de Noël. On va ouvrir bien sûr des jouets parmi les prochaines vidéos, mais pas que. Donc restez avec nous. Voilà, on va aussi voir cette forêt encore un petit peu. Ah, on est bien ici. En plus, ça sent la forêt. Ça sent à fond le sapin. Calice n'aime pas trop l'odeur du sapin. Athéna aime beaucoup. Moi, j'aime bien aussi. En plus, c'est de la verdure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça recycle, ça absorbe le CO2 pour transformer ça en oxygène. Donc, c'est bien, c'est bon pour la santé. On se voit dans une forêt. Ah, on respire. Merci, les petits sapins. Vous êtes trop gentils avec nous. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu, ces vidéos de la forêt. Cliquez sur le petit i en haut à droite pour aller la voir. Et la vidéo également, je vais marcher sur une boule de Noël, moi. Enfin, bah, elle n'est pas cassée. Et la vidéo également de ces décorations de sapin de Noël. Vraiment magnifique. Eh oui, on va le revoir, ce sapin. On n'a pas fini de faire les fous et de faire les fêtes tous ensemble. Et d'ici là, bien sûr, hein. On se retrouve bien sûr demain sur Studio Bubble Tea. Comme d'habitude, et d'ici là, soyez vous, soyez bien, soyez bon, et vivez vos rêves. Ah bon, Calice. J'attends le Père Noël, il a eu par mail ma liste de Noël.